Christian, il est 9h30. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à Westwood ce matin? Donc justement, nous sommes en train de marcher. On a organisé une marche pour un peu revendiquer nos droits et surtout demander en fait au peuple américain de s'unir avec nous contre les génocides, contre le violence sexuelle en fait qui se passe au Congo. Et vous savez, en fait, ça se passe parce qu'ils sont en train d'exploiter les minéraux et tout ça, le coltan, le gold, l'or en fait. Il y a ces matériaux qui est utilisé pour faire par exemple les électroniques, les cellphones, les consoles de jeux, là, Nintendo et tout ça. Alors on veut faire savoir aux Américains que voilà, ces minéraux font tuer des gens et les femmes qui sont violées pour avoir ces trucs-là, pour avoir des cellphones moins chers et tout ça. Donc on est là, on est en train de donner le message en fait, c'est ça qu'on peut dire. Mais il y a les compagnies, les grandes compagnies en fait d'électronique comme Sony, Dell Computer et tout ça. Ils sont demandeurs de matières premières. Ils sont demandeurs de matières premières. En fait, ce qui se passe, c'est ceci. Ces compagnies-là, ils financent les armements au Congo, par exemple dans un village. D'armées rebelles. Des armées rebelles. Et puis tout justement, ils permettent à ceux qui exploitent les minéraux dans les sols congolais. Ces minéraux sont ensuite acheminés vers le Rwanda et les autres, vers la mer, en Chine. Et en Chine, ils travaillent. L'or, en fait, est fait pour relier les composants, les petites pièces, ouais. Le composant, le coltan et les autres. Parce que vous savez, les électroniques, ça chauffe quand ça fonctionne avec les batteries. Alors, il y a des composants qui sont tous là, qui viennent du Congo, pour pouvoir en fait garder un peu la chaleur, enfin le froid et les charges de la batterie. Donc c'est ça en fait. Donc ces compagnies là, Nintendo, Dell Computer, Microsoft, ils sont là, ils sont demandeurs et ils sont en train de financer en fait les rebelles et tout ça. Donc au lieu d'aller acheter les minéraux, ils cherchent juste à exploiter sans payer. Ah, okay. Voilà, le problème est que voilà, vous financez les rebelles. C'est les rebelles qui exploitent alors. Les rebelles, bon, c'est les grandes compagnies qui exploitent, mais ils utilisent les rebelles, en fait. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas aller eux-mêmes. Ils doivent trouver quelqu'un localement pour pouvoir le faire. Alors, ils financent ces groupes-là, hein, qui divisent les villages, qui violent les... Oh mon Dieu, qui violent les femmes. Hein. Mais quand je dis les femmes, je ne parle même pas seulement d'une femme mature. Je parle des enfants, des vieilles femmes qui sont brûlées. Et quand nous parlons de viol, en fait, au Congo, ce n'est pas genre de viol, voilà, je déchire les habits et je viole la personne. C'est plus dur que ça. C'est-à-dire qu'il y a des bâtons qui sont insérés dans la femme. Il y a des femmes qui sont... On demande à la femme toujours de s'asseoir dans des braises chaudes. C'est incroyable. La torture. La torture, en fait. C'est-à-dire c'est utilisé, en fait, pour pouvoir... C'est comme une arme, en fait. C'est-à-dire on te torture comme ça, tu as peur. Tu fous le camp et ils exploitent le terrain. Voilà. Mais en tant que Californien d'origine congolaise, Voilà. Pourquoi un tel engagement? Pourquoi? Oui, mais parce que tout justement, moi, bon, comme tu l'as dit, je suis Californien, et puis je suis du Congo. Ouais. On a perdu 8 millions de personnes depuis 1997. Plus de 8 millions de personnes. Ça, c'est humain, même si je ne suis pas Congolais, mais en tant qu'humain, pourquoi? Pour un cell phone? Mais non, soyons sérieux. Je ne suis pas obligé d'être Congolais. On est obligé d'être humain pour dire que voilà, on doit arrêter. Assez, c'est assez, on doit arrêter, voilà. Alors, Obama envoie des Marines pour former les troupes africaines. Oui, oui. C'est de bon augure. Bon, vous savez, c'est la politique, en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas de commentaires sur ça, mais on peut faire mieux que ça. 100 militaires, c'est peut-être un commencement, mais ce n'est pas assez. C'est plus que ça, ce sont les décisions qui sont prises, en fait, qui peuvent changer ce qui se passe dans le pays. Si on peut décider à dire que voilà, on va imposer à toutes ces compagnies-là d'aller acheter les matériels, c'est l'or et tout ça, proprement, légalement, ça c'est ce qu'on cherche. On cherche. Moi, je ne cherche pas une solution avec les armes. Qui finance les armes? Ce sont les mêmes personnes qui sont supportées par le gouvernement américain, anglais et tout ça, français. On le sait. Alors, comment tu vas envoyer 100 personnes pour traîner de quoi? Un groupe de quoi? Des petits singes? Ben non. Écoutez, ce sont les décisions qui doivent être prises. Demander à ces compagnies, voilà, si tu achètes les minerais chez nous, là-bas, au Congo, illégalement, voilà, ta compagnie est fermée ou un truc comme ça. C'est ce qu'on a besoin. On n'a juste pas besoin de l'armée. On a juste besoin des décisions. Et le gouvernement français, américain, anglais, ils le savent très bien. Ils ne peuvent pas prendre une décision pareille. Mais c'est à nous, les autres, les humains, même pas en tant que Congolais, mais c'est nous les humains, on doit se mettre debout et dire voilà, assez, c'est assez. On ne peut pas perdre les humains. C'est ça l'essentiel. On ne peut pas perdre la vie humaine à cause d'un petit morceau de pierre. Non, voilà.
Merci Stan. Avec plaisir. J'ai ici mon ami Eric Moussossois. Il va un peu, comment dire, summarize, comme on dit ici en anglais. Il va le dire en anglais et dire exactement ce que je dis pour nos amis qui comprennent l'anglais. Bon, en fait, my name is Eric Moussossois. I'm over here to support the cause that is going down in the Congo. The genocide, over 8 million people had died due to exploitation of mineral. And we have enough of that stuff. Okay? As a Congolese and a resident in the United States, especially right here in California, we have found that we need to support our own. Because if we don't stand up for our own, nobody will do it for us. So we came here to lend the support and say that we are behind our women, our moms, our nieces, all our ladies that they've been abused down there, that enough is enough. We have to stop the genocide in Congo. C'est-à-dire, c'est vrai, on peut poser des questions politiques et tout ça, c'est bien. Parce que la solution est politique. Ça, c'est vrai, mais le problème, c'est ceci. On est là, on s'est mis debout aujourd'hui, c'est pour réunir tout le monde pour cette cause-là, en fait. Parce que si on doit aller politique, voilà, on va se diviser. Certains diront que voilà, ils sont pour le président, certains, ça, c'est un truc qui, tout justement, qui divise pour moi. Mais là, on est en tant qu'humain, en tant que human being, comme on dit en anglais, on se met debout et on parle de ce qui se passe. C'est que c'est parce qu'il y a des mamans qui meurent. Il y a même des hommes, il faut dire la vérité. Il n'y a pas que les mamans, en fait. Il y a des hommes qui se font violer. Et ces hommes-là, ils s'en foutent si le pouvoir... Non, les personnes qui prennent les décisions, en fait, ce n'est pas nos gouvernements, il faut dire la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on est plus concerné de la vie humaine, comme il a dit. C'est ce qu'on est là aujourd'hui. Toi, tu es là, tu es français, tu es arrivé. On a des frères qui sont des différents de Ghana et de personnes qui sont de Cameroun. C'est-à-dire, on est là juste pour dire que voilà, assez, c'est assez. On est en train de violer les gens et voilà. Anita, en tant que femme californienne d'origine congolaise, pourquoi tu es là ce matin à 10h? Premièrement parce que je suis congolaise, évidemment. Depuis ce massacre, ça fait au moins 5 ans que les Congolaises, les femmes congolaises, les filles congolaises sont en train d'être violées par tous ces milices. Alors en tant que Congolaise, c'est mon obligation, c'est mon devoir de donner une voix à toutes ces femmes, à toutes ces filles. Donc je me sens responsable d'être ici et faire quelque chose pour le Congo. L'état du massacre, comment le voyez-vous d'ici? Comment est-il? Avez-vous des informations? Il n'a pas amélioré parce que hier j'ai vu un article sur le site et il parlait comment ça n'a pas du tout amélioré. Malgré toutes les organisations, malgré le UN qui est au Congo à présent, il n'y a pas d'amélioration. Les gens meurent tous les jours, les femmes sont violées tous les jours, les filles, les petites filles de 5, 6, 7 ans sont violées devant leurs parents. Donc la situation n'a pas du tout amélioré. Et on a fait quelque chose pour le Congo, absolument. Qui c'est qui viole? Les militaires, les milices, les mauvais militaires qui viennent du Rwanda, qui sont contre le Congo. Des bandes armées, les milices individuelles qui viennent au Congo juste pour tuer les femmes, mais surtout à l'est du Congo, parce que l'est du Congo est la partie la plus riche du Congo. D'accord, parce que c'est là qu'il y a le coltan, c'est là qu'il y a tous les minerais. Alors, à l'est du Congo, il y a cette guerre qui se passe maintenant. Et ça fait 5 millions de personnes sont mortes à l'est du Congo, particulièrement les femmes et les filles qui sont victimes. Alors, il n'y a pas d'amélioration, vraiment. Donc, c'est pitoyable. Et ton engagement, c'est tous les jours? Quel est ton frère? On essaie tous les jours de faire quelque chose. Mais c'est quotidien. C'est quotidien, bien sûr. C'est tous les matins, on se réveille et on se demande qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les femmes congolaises, pour les filles congolaises. Bien sûr, on doit aussi... essayer de faire quelque chose pour les petits garçons congolais. Ouais, parce ouais. qu'on donne des armes aux petits enfants congolais. Les petits garçons congolais. Ouais, on les apprend à être militaires, à être violeurs, à les bas âge. Diamants de sang. Voilà. Et donc, on doit arrêter. On doit arrêter et on doit faire quelque chose. Merci beaucoup, Anita. Je t'en prie. Thank you.